Le cabinet de Saad Eddine El-Othmani est ici. Une délégation de 12 ministres ainsi que les patrons des grandes entreprises nationales accompagnent le chef du gouvernement dans cette région, l'une des plus pauvres du Maroc, où le déficit global des revenus des pauvres par rapport au seuil de pauvreté est le plus important. Ici à Khribga, les jeunes souffrent de chômage, l'absence d'école supérieure et de divertissement. Le gouvernement planche d'emblée à remédier à ces problèmes. Il compte coopérer avec l'OCP pour créer une zone industrielle dans la région. Une ligne ferroviaire sera également créée pour la désenclaver. Une ligne ferroviaire est prévue. Elle est en cours d'étude. Elle reliera Beni Mellal à Khribga. C'est un tronçon très important socio-économiquement. Il coûtera aux environs de 3 milliards de dirhams. L'agriculture n'est pas en reste. Cette région qui compte des plaines fertiles, de nombreux lacs et plus de 15 barrages bénéficie d'un emplacement stratégique privilégié à mi-distance entre les principaux pôles urbains et touristiques du pays.